Depuis le début de la Coupe du Monde, je me suis dit que je ne ferai pas de vidéo sur la Coupe du Monde. Je me suis dit qu'au moins cette année, j'attendais au moins que l'Afrique atteigne au moins la demi-finale avant de commencer à faire une vidéo sur la Coupe du Monde, avant de commencer à parler de la Coupe du Monde. Mais c'était sans compter sur la détermination des pays africains. C'était sans compter sur la détermination des pays africains qui voulaient rentrer à la maison, quoi. Pour eux, jouer à la Coupe du Monde, c'est un peu intéressé pour faire regarder la Coupe du Monde à la maison, tu vois. Sincèrement, je ne comprends pas. Chaque année, c'est pareil. Depuis que je suis né en 1956, depuis que je suis venu dans ce monde-là et que je sais qu'on appelle quelque chose de football, je n'ai vu aucune équipe africaine aller loin dans la compétition. Quand ils font trop à ces quarts de finale, c'est quoi le problème? À un moment donné, il faudrait qu'on soit sincère avec nous. À un moment donné, il faudrait qu'on soit assez lucide et qu'on se dise qu'en fait, il faudrait rester chacun dans son pays. Qu'on joue la coupe du village, quoi. Tu vois, non. Et les lions, les éperviers, les moutons, les chèvres, les coqs, les pentades, tout ça là, s'affronte entre eux en Afrique, là. Qu'on peut trouver un champion, puis qu'on reste chez nous, quoi. La Coupe du Monde, on va regarder ça à la télévision, tu vois. Parce que ça ne sert à rien de toujours nous faire rêver. Ça ne sert à rien de toujours nous mettre dans des situations pas possibles. Et à la fin, qu'on soit là, dit que vraiment, on a été triché. Le VAR, la VAR, non, là, ça, y en a marre, quoi. Y en a marre. Moi, je veux arrêter de souffrir, quoi. Sincèrement, avec la Coupe du Monde et les pays africains, là, c'est vraiment pas de chance, quoi. Le Nigeria, ils avaient le beau maillot de la Coupe du Monde. Ils étaient le plus sapés. Finalement, ils font quoi? Ils sont rentrés à la maison. Attends, Tanti, c'est quoi ta chanson déjà? Dans la sauce, le piment dans la sauce. Donc, si je comprends bien, à l'heure actuelle, l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie. Aïe, aïe, vous là, non. C'est seulement la médiocrité qui vous dépasse, quoi. Je pense finalement, il faut juste que j'arrête de regarder la Coupe du Monde. Et au passage, l'Allemagne. Bon, ça là, c'est bon, quoi. Vaut mieux rentrer à la maison. Bye bye, c'est bon, ciao.